Salut à tous, c'est Milly, bienvenue à l'atelier. Je vais vous présenter mes créations ou ce qui est en cours de création, ce qui s'est passé au cours du mois de janvier 2021. Bienvenue à tous, bon visionnage, studio vlog numéro 1, c'est parti! Enfin, on est déjà le 1er février. Je vais essayer de vous monter un studio vlog retraçant certains de mes moments de création du mois de janvier 2021. Donc j'ai principalement fait de la peinture, mais ça peut être parfois du dessin ou du modelage. Je vais essayer de m'y remettre. Parfois ça se peut que je vous poste aussi des petits moments de pratique musicale, de jonglage éventuellement, on verra selon ce que je fais au moment. C'est assez c'est par passe en fait, par passe ou par moment, voilà. Donc je ne vais pas pouvoir en faire plus d'un par mois je pense, car je n'ai que les lundis en dehors des vacances scolaires pour pratiquer mes passions. Sinon j'essaierai de vous proposer de temps à autre des petits tutoriels sur des techniques de peinture je pense, ou des dessins principalement. Donc des petites choses que j'ai apprises soit en école ou en pratiquant. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, j'essaierai de vous reparler un peu plus tard. Découvert ce mois-ci avec mes enfants le plastique fou ou plastique dingue. Peut-être que certains d'entre vous connaîtront. C'est des feuilles des feuilles blanches en fait, sur lesquelles on peut dessiner. C'est format A4. Et en fait, on passe ça au four et ça diminue et ça cuit. Ça fait une sorte de boulgui boulga et ensuite ça durcit. Ça cuit super vite. Et on peut faire tout un tas de trucs. Donc là, je voulais faire des boucles d'oreilles, c'est raté, hein, c'est un peu trop grand. Quand on voit la taille de ma main à côté, elle est toute rouge, bref. Donc celle-ci, donc j'ai fait plus petit, donc ça, je pense que ça collera plus pour des boucles d'oreilles. Je vais les vernir, et donc ça, je pense que je ferai des pendentifs, et puis ça, des boucles d'oreilles, je mettrai... Enfin bref, il faut que je termine. Et aussi, donc j'ai commencé des peintures sur galets. Ça fait longtemps que je devais essayer d'en faire. Donc là, c'est pas terminé. Et il me restera aussi à vernir à la fin. Et je vais essayer de fabriquer un porte-manteau. Alors, cette planche est trop petite, mais il faudra que j'en trouve une autre. Et des crochets aussi pour pouvoir faire un porte-manteau à la fin dessus. Et j'ai aussi peint un petit bois flotté, voilà, comme ça. Donc soit je l'accrocherai avec les petits animaux, là. Je trouve que ça matche pas trop mal ensemble, je vais voir. Enfin bref, je vous montrerai ça plus tard quand ce sera terminé.
merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Donc c'est bientôt terminé, je voulais juste vous montrer le tableau où il en était aujourd'hui. Donc il n'est toujours pas terminé, les animaux sont pas finis, il va me rester encore des éléments à placer entre chaque animal, de la végétation, des formes abstraites. Donc j'ai encore pas mal d'heures à passer dessus. Je vais peut-être faire une pause sur celui-ci et faire me mettre à faire plutôt des peintures sur rondins de bois. Je vous montrerai ça donc le mois prochain, j'espère, pour le vlog du mois de février. Et puis aussi continuer des peintures sur galets, des toiles plus petites aussi, je vais essayer de faire. Mais peut-être pas tout ça dans le mois de février, je vais voir. Et aussi de l'argile, de la peinture sur argile, donc des bijoux. Et puis voir peut-être aussi des petits pots, des choses comme ça. Donc je vais m'y mettre petit à petit. Ça arrivera au fil des mois. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça ne me fera que m'encourager à continuer les vidéos. Eh bien écoutez, je vous dis au mois prochain pour un nouveau studio vlog. À bientôt!